Bonjour, bonsoir. Alors voilà, nouvelle vidéo pour les premières acquisitions de ce début du mois de mars 2022. Alors, on va commencer par des achats que j'ai faits à la toute fin du mois de février, que j'ai pas pu mettre dans ma précédente vidéo, hein, parce que sinon ça aurait rallongé celle-ci. Et puis, je crois qu'elle était quasiment terminée quand j'ai fait ces achats. Donc, je vais vous présenter les 6 premiers albums qui sont des albums de jazz. Alors pour la petite histoire, hein, je suis passé chez le bouquiniste à Aix-en-Provence, hein, qui s'appelle Rue des Bouquinistes Obscurs, hein, bouquiniste chez lequel j'avais régulièrement trouvé des chouettes albums, souvent en excellent état et au prix maximum 8-10 euros maximum. Ceux-là, je les ai payés en gros 8 euros pièce, quoi. Vous voyez, il y en a 6 pour 8 euros, un tout petit peu plus, hein, un pouillème de plus, hein. Voilà. Mais ça faisait bien 3-4 mois que j'avais rien trouvé chez lui. Chaque fois, le bac, il n'y avait plus qu'un seul bac de vinyle, donc avant il y en avait deux, mais bon, ou trois même à hein, une époque. Et puis bon, moins de gens qui donnent leur vinyle, donc forcément, ben, moins de rentrées, hein. Mais là, je suis tombé sur un petit lot de jazz qu'il avait rentré au mois de janvier. Donc, la preuve que le jazz n'intéresse pas grand monde, sauf moi. Enfin, ça n'intéresse sûrement d'autres, mais en tout cas, chez lui, personne ne les avait pris. Voilà, donc je vais commencer à vous les présenter, hein, en commençant par le premier. Sonny Rollins. L'album s'appelle The Freedom Suite Plus, c'est un double album. Alors, c'est paru en 1973 sur le label Millstones. Millstones. Hein, c'est un label qui a la particularité. J'ai d'autres albums de ce label. Hein, je crois que j'en ai de Lester Young, j'en ai d'autres de Sonny Rollins. Où la particularité, c'est une collection peut-être un petit peu économique. Hein, de regrouper deux albums différents en un double album. Donc là, par exemple, le premier album, hein, s'appelle The Freedom Suite. C'est un album de 1958. Hein. Bon, là, c'est donc une réédition de 73. Hein. L'album The Freedom Suite de 1958. Hein. Je vous montre très rapidement hein, le label Milestones, hein. Hop, sans doute en hommage à un album de Miles Davis, hein. Très très chouette photo de pochette arrière, hein. Alors si je me souviens bien de qui est la photo, pop pop pop, peut-être Jean-Pierre Leloir. Non, c'est pas Jean-Pierre Leloir. C'est souvent ça en France, hein, les pressages français. Hein, mais bon, pas cette fois. Donc voilà. Donc, et la phase 2, alors donc je vous disais, le premier album date. Le premier LP, c'est un album de 58 de Freedom Suite. Et le deuxième LP, sur la face 1, c'est un autre album qui s'appelle The Sounds of Sonny, qui date de 1957. Et la phase 2, c'est des titres tirés d'une anthologie de 1957. Et bon, de toute façon, est-ce que je vous présente Sonny Rollins, hein, c'est un immense saxophoniste. Là, on est dans du hard bop de très très haut niveau. Le premier disque est absolument gigantesque. Hein. Le titre, la face 1, dure 19 minutes, hein, de Freedom Suite. C'est vraiment excellent, excellent. C'est du très très bon jazz. C'est du très bon jazz. Et je pense qu'on doit pouvoir trouver ces albums assez facilement, vu que ce sont des collections économiques. C'est pas la pochette originale, donc peut-être un petit peu moins recherché et un petit peu moins coté que les pressages originaux qui, eux, doivent commencer à coûter un tout petit peu cher. Hein. Voilà, donc Sonny Rollins, The Freedom Suite Plus. Le deuxième, donc toujours chez mon bouquiniste, hein, Johnny Griffin, You Leave Me Breathless. Hein. Ça résonne un peu hein, avec Laissez-moi respirer. Hein. Voilà, je ne peux plus respirer. Enfin bref,
Si vous suivez l'actualité de ces dernières années, hein, ce qui s'est passé. Enfin bon, bref, on ne va pas épiloguer, hein, il y a tellement de choses qu'on pourrait dire sur l'actualité de ces dernières années, l'actualité du moment. Alors, c'est un pressage français sur un label qui s'appelle Black Lions Records. Je vous montre. Alors, le pressage 72 ou 73, hein, il y a un petit logo, hop, je ne sais pas si on voit bien avec la lumière. Hop, non, oui, non, voilà. Hein, hop. Il y a un petit logo SACEM, donc forcément 72, 73, quelque chose comme ça. On est dans du bebop, du hard bop, et puis par moments des improvisations très libres. Hein, vous avez Kenny Drew au piano, Albert Heath à la batterie, Johnny Griffin hein, au saxophone ténor, et Nils Henning Ørsted Petersen à la basse, hein, le bassiste danois, contrebassiste danois. NHOP, hein, qui est un des grands du. Je le répète, hein, parce que j'ai déjà dit sûrement dans d'autres vidéos, qui est un des grands du jazz en Europe. Hein. Alors, Johnny Griffin, hein, très très bon saxophoniste ténor. Hein, peut-être pas la notoriété d'un Sonny Rollins, hein, mais c'est quelqu'un qui a joué avec. Qui a été beaucoup en leader, hein, qui a fait beaucoup d'albums sous son nom avec son propre ensemble, hein, comme celui-ci, hein, et qui a aussi joué comme accompagnateur, notamment avec ben, Lionel Hampton pour les plus anciens, Dizzy Gillespie, Thelonious Monk. Hein. On le retrouve notamment sur un album dont j'ai parlé dans une précédente vidéo, il n'y a peut-être pas très longtemps, peut-être janvier, quelque chose comme ça. L'album qui s'appelle Thelonious in Action. Donc j'ai effectivement présenté, on y retrouve Johnny Griffin. Hein. Là, c'est un album donc des enregistrements qui datent de 1967, au mois de mars 67, hein, le 30 et 31 mars 67, qui ont été enregistrés à Copenhague, hein, en public, hein, d'où sans doute la participation notamment de Kenny Drew et de NHOP, hein, qui sont qui vivaient ben, au Danemark à ce moment-là. Hein. Kenny Drew est un pianiste qui vivait, pianiste de jazz. Hein. J'ai présenté un album de Kenny Drew il y a quelque temps aussi, qui habitait au Danemark. Et donc, ben voilà, hein, Johnny Griffin arrive avec son saxophone et puis. Les bons musiciens du cru s'empressent de jouer avec des musiciens de ce calibre. Hein. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Donc, excellent album live hein, et du très bon hard bop, bebop. Hein. Voilà. Le suivant. Alors, le suivant, est-ce que je vous présente Art Blakey? Art Blakey et The Jazz Messenger. Alors, le titre, c'est At Their Rare of All Rarest Performance. Volume 1. Alors c'est une petite compilation, hein. C'est un label italien 1981. Je pense pas que ça soit quelque chose de très, 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 entre guillemets, très officiel, hein. Ce sont des enregistrements de 1960 à New York. Et bon, ben, c'est du Art Blakey avec ses Jazz Messengers. Hein. Je dirais que, mais je ferai la comparaison un petit peu avec un autre album, le dernier album de cette petite série que je vous présente, avant de. Il y en aura d'autres après, hein, mais pas forcément que du jazz. Hein. Art Blakey, quoi qu'il fasse, quoi qu'il joue, qui que ce soit l'accompagne, c'est toujours de toute façon merveilleux. C'est toujours merveilleux. Je pense que Art Blakey, c'est à la fois la. Il y a une forme de joie dans la musique. Comment dire, tout est aérien, enjoué. Et vous avez quand même, bon, hein, je vous dis les noms, hein, alors peut-être les moins connus, hein, Jimmy Merritt à la basse, Bonnie Timmons au piano, et puis vous avez à la trompette Lee Morgan, Wayne Shorter au saxophone ténor, et bien sûr Art Blakey à la batterie. Hein, c'est de toute façon excellent, c'est pas. Ce n'est pas l'album le plus essentiel d'Art Blakey, mais même les albums moins essentiels d'Art Blakey sont essentiels. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre, hein? Eh ben, je pourrais dire d'autre en vous présentant un deuxième album de Art Blakey, And the Jazz Messengers. Alors, celui-là date.
sans doute de 1957, entre 57 et 1960. Hein. Clairement, c'est un pressage. Il n'y a même pas de pressage BM, il n'y a même pas le logo BM donc, dessus. C'est un pressage français. Et on nous trouve notamment bah, au saxophone alto, Jackie McLean, hein, qui est quand même un énorme saxophoniste. Hein. Je ne sais pas si je vous l'ai montré, vous avez peut-être bien. Voilà, le label Savoy. Hein. Et alors particularité, la photo, elle reprend la même type de photo qu'un coffret qui est vraiment lui indispensable. Hein. C'est un coffret, c'est Jazz Art Black et The Jazz Messenger au Club Saint-Germain. Donc un coffret 3 vinyles. Hein. Alors on les trouve en volume 1, volume 2, volume 3, et on le trouve en coffret 3 vinyles. J'ai eu la chance de le trouver il y a assez longtemps dans un vide-grenier mourant. C'était un gros vide-grenier à l'époque où il y avait jusqu'à des fois 200 stands. Et puis, pour des raisons qui leur appartiennent, ils ont voulu faire payer l'entrée. Évidemment, ça a plongé. Et quand ils ont voulu tenter de le relancer en le rendant gratuit, ben, ça n'a jamais repris. Et j'étais allé quand même. Il y avait une dizaine de stands. Et sur un de ces stands, un bac avec ce fameux coffret des Jazz Messengers au Club Saint-Germain que j'ai payé 3 euros. Je sais qu'il a été réédité en 2018. Donc si vous tombez dessus, il ne faut pas hésiter parce que c'est une pure merveille. Bon, cet album. Alors là, il me semble que ce sont des enregistrements. Alors je ne sais pas trop bien, j'ai pas trop vu à quelle époque ça avait été enregistré. Mais. Ah, vous voyez là, la photo, elle est bien de Jean-Pierre Leloir. bon, je sais pas. Je sais pas. J'ai pas réussi à trouver de référence à la date d'enregistrement. Je regarde sur mes petites notes. Ben non, non, j'ai pas trouvé. Mais bon, voilà, c'est toujours pareil. Hein, tout ce que touche Art Blakey, il le transforme en or. Hein. Ensuite, on change de style. C'est pas tout à fait du jazz. C'est du blues. C'est du blues avec cet album de Roosevelt Sykes, Portrait in Blues. C'est une série hein, d'un label qui s'appelle Storyville. Alors, années 70 et plus, hein, il y a un logo SACEM sur le macaron. Hein, je vous montre Storyville. Voilà. Hop, pas de carte de bêtises. Et. Donc c'est un pressage français, donc l'année, je vous dis, plus haut, sans doute 72, 73 peut-être. Hein, après la date des enregistrements, bah, c'est des enregistrements sans doute assez anciens, hein, puisque c'est quelqu'un, Roosevelt Sykes, c'est un pianiste et chanteur de blues, hein, c'est assez roots. Hein, et c'est excellent, c'est excellent. Et là aussi, la photo est de Jean-Pierre Leloir. Comme quoi. Alors, je sais qu'il est paru avec d'autres pressages US, UK, et la pochette n'est pas la même. Hein. Voilà. Mais voilà, c'est excellent. C'est du très très bon blues roots hein, au piano et au chant. Voilà, c'est des enregistrements qui doivent sans doute dater des années 40, hein, j'imagine. Il n'y a pas vraiment de précision, hein, et puis même sur Discog, on ne trouve pas de précision. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui a commencé sa carrière en 1929, quelque chose comme ça. Donc autant dire que ce ne sont pas forcément des enregistrements modernes, entre guillemets. Mais ça sonne bien et c'est excellent. Et on va finir cette première partie de cette vidéo avec un chef-d'œuvre. Encore, Charles Mingus, et l'album s'appelle Three or Four Shades of Blues. C'est un album de 1977. Hein, c'est un album qui a été enregistré bah, 2 ans avant la disparition de Charles Mingus, hein, puisqu'il est décédé en 1979. Hein. C'est enregistré les 9 et 10 mars à New York, je pense. Hein. Et on trouve, alors, si vous regardez bien la liste des musiciens, c'est monstrueux, c'est monstrueux, c'est un album monstrueux. Alors vous avez Philippe Catherine à la guitare, George Coleman au saxophone, Larry Coryell à la guitare, John Scofield. Enfin, c'est juste énorme, c'est juste énorme, c'est entre. Alors, pour faire le lien un petit peu avec Art Blakey, autant Art Blakey, c'est la joie,
Autant Charles Mingus, c'est un homme en colère. C'est un homme en colère. Et sa musique reflète cette hargne. Alors, c'est quelqu'un, je l'ai déjà dit, je le redis, hein, c'est un musicien, c'est un compositeur, c'est un arrangeur, c'est quelqu'un de très, très méticuleux, très exigeant. Et c'est jamais, c'est même quand il y a de l'improvisation, c'est jamais, il y a rien, il y a jamais de hasard. C'est vraiment très construit. Et puis c'est d'une intelligence musicale et d'une force musicale absolument incroyable. Cet album est une bombe, c'est une tuerie. Je l'ai posé sur la platine, je crois que je l'ai écouté 2 fois de suite. Tellement c'est énorme. Tellement c'est énorme. Voilà, c'est entre le jazz, presque par moment, le blues, il y a des morceaux très blues, hein, et il y a des morceaux presque très, très rock, psychédélique. Hein, j'exagère à peine, hein, c'est pas non plus du rock psychédélique, mais la présence des guitares de Philippe Catherine et Larry Coryell apporte une touche très, 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 très moderne, très rock, presque rock, à cet album. C'est une tuerie. Si vous tombez dessus, n'hésitez pas à le prendre. Voilà, ça c'était pour la première partie. Alors au niveau des extraits, je vais voir, hein, parce que comme il y a beaucoup d'albums que je vais vous présenter, si, j'ai essayé de pas mettre, je vais pas mettre trop d'extraits, mais je pense qu'il y aura forcément un extrait de celui-là, hein, forcément. Voilà, allez, on va passer à la suite, bah, tout de suite. À plus. Et donc la suite avec un album de jazz dont je vais vous parler. Il y a tout ça, il y en a 6, hein. Donc je vais vous parler très rapidement parce que celui-là, je n'ai pas encore pris le temps de l'écouter. Je l'ai trouvé dans le courant de la semaine dernière, je crois, à ma ressourcerie. C'était la première fois depuis le début de l'année, parce que c'est une ressourcerie, j'y passe au moins deux fois par semaine, peut-être voire 3 fois par moment. Et depuis le début de l'année, c'était un peu grise mine, j'avais pas grand-chose à me mettre sous la dent. Enfin, même rien du tout, quoi. Et à part peut-être un ou deux CD, mais j'en ai parlé, il me semble, dans des vidéos. Donc là, j'ai trouvé un album que j'ai pris parce que, voilà, un album de jazz, hein, Duke Ellington, The Compositions of Duke Ellington, volume 1. C'est un pressage sur Riverside, pressage US. C'est marrant, hein, regardez, il y a le petit timbre déclaré à la SDRM, ce qui est l'ancêtre de la SACEM, je pense, hein. Alors, j'ai pas encore écouté Riverside. Hein, je vous montre. Hop, si c'est pas comme d'habitude, c'est à l'envers. Hop, voilà. Hein. Écoutez, c'est du Duke Ellington, mais là, c'est du Duke Ellington interprété par différents artistes de jazz. Hein. On y trouve, par exemple, Wes Montgomery. Il y a Thelonious Monk. Hein, avec Oscar Petitfort à la basse et Kenny Clarke à la batterie. Il y a Charlie Bird, il y a Clark Terry avec Johnny Hodge. Donc c'est sans doute Red Garland. Hein, donc ça peut être que très sympa. Mais bon, voilà, j'ai pas encore pris le temps de l'écouter. Alors ça a l'air d'être une série parce qu'on y trouve des compositions de Miles Davis, de Charlie Parker, de Dizzy Gillespie. Voilà, ça date de 1962. Voilà. Hein, hop, il y a des reflets, c'est pénible. Enfin bon, voilà. Donc, Duke Ellington interprété par d'autres. Ensuite, on va passer à celui-là. Alors là, il va y avoir un maximum de reflets parce que j'ai pas enlevé la. Je l'ai écouté, hein, déjà, hein, mais j'ai pas enlevé le protection en cellophane. Hein. Alors, l'album s'appelle Fifth. Filthy Sky et le groupe, c'est John Bassman Group. Alors, là, c'est un pressage grec de 2010, hein, que j'ai commandé sur mon site en Grèce, hein, enfin chez le disquaire grec, hein, dont j'ai régulièrement parlé. Hop, réédition 2010, l'album original date de 1970. Hein. C'est l'unique album de ce groupe, c'est un groupe allemand. Je crois qu'ils ont fait 7 albums et puis il existe un 45 tours. Hein. Alors c'est un groupe allemand et on est dans du rock psychédélique, du rock progressif, hein, avec pas mal de guitares fuzz et une voix de la voix de la chanteuse assez puissante. Hein.
Et c'est vraiment très bon. C'est vraiment très bon. Il m'a été recommandé par un ami sur un forum, sur le forum qui s'appelle RaveUp60. L'ami, c'est Otal, hein, pour pas le nommer. Hein. Et d'ailleurs, je vous recommande, si vous cherchez sur YouTube, hein, il a une chaîne dans laquelle il fait pas des vidéos comme moi, mais il poste des pépites et des raretés musicales, et c'est souvent très très intéressant à écouter. C'est même toujours très intéressant à écouter. Et là, c'est vraiment superbe. C'est vraiment un superbe album, et c'est vraiment un groupe à découvrir. Alors, effectivement, la discographie est vite faite, hein, puisque un album, eh ben, vous avez la discographie complète. Hein. John Bassman Group, Filthy Sky. Alors, il y a une petite particularité, c'est la dernière chanson de la face 1 qui s'appelle Dutch, qui est apparemment un morceau un titre de musique traditionnelle allemande arrangé à la sauce krautrock et psyché, quoi. Donc c'est un petit peu bizarre au début, et puis ça part tout de suite dans un petit délire, quand, mais c'est vraiment excellent. Puis la chanteuse a une voix vraiment puissante, hein. Je sais pas si on peut la comparer à quelqu'un, je vais pas la comparer parce que c'est pas intéressant, hein. Mais voilà, c'est vraiment si vous pouvez le trouver, ben c'est un album vraiment, vraiment, vraiment très, très bon. Ensuite, là, là celui-là que je vais vous montrer, c'est vraiment une pépite. Hop, j'enlève ça. Je vous montre ça. L'album Carol of Harvest, c'est le nom du groupe et le titre du groupe. Et le titre de l'album, pardon, c'est un gatefold. Alors, c'est un pressage allemand de 2018, hein, l'original date de 1978. Hein. C'est un groupe qui a fait deux albums seulement. C'est un groupe néerlandais et qui a sorti ce premier album. C'est leur premier album, hein, sur un label, un petit label allemand, pour ne pas dire obscur. Hein. Pour tout vous dire, comment j'ai découvert ce groupe, eh ben, il m'a été recommandé par quelqu'un d'entre vous, hein, qui regarde mes vidéos, qui a posté un commentaire. Alors je vais dire son pseudo, hein, c'est Isé, qui m'a recommandé ce groupe. Alors je suis allé par curiosité l'écouter, et j'ai pris une grosse claque en l'écoutant, hein. C'est du folk rock psychédélique, un peu prog. La chanteuse a une voix sublime, magnifique, et les compositions sont vraiment excellentes. C'est vraiment une de mes plus belles trouvailles depuis le début de l'année. J'en ai fait, hein, mais celle-là, elle est vraiment magnifique. Alors, c'est un album très rare, hein, parce que pour tout dire, il a été pressé à l'origine à uniquement 200 exemplaires. Ce qui fait que ne cherchez pas l'original. D'ailleurs, si vous voulez rire, hein, vous irez sur Discog en cherchant Carol of Harvest, hein, et vous regarderez l'original. Il y a un exemplaire en vente. Logique, hein, vu la rareté, 200 exemplaires, ça se trouve pas sous le sabot d'un cheval, comme on dit. Mais le prix va vous faire rire, hein, parce que le vendeur, je pense qu'il a beaucoup, beaucoup d'espoir. Mais bon, hein, voilà, le prix va vous faire rire. Après, pour tout dire, hein, j'ai pas retenu le nom du vendeur, mais je suis allé voir par curiosité sa boutique sur Discog, et il a des prix qui font rire aussi, hein, pour la plupart des albums qu'il propose à la vente, hein. Mais voilà, bon, après, qui ne tente rien à rien, mais bon, voilà. En tout cas, ça, c'est absolument magnifique. Alors, il y a peu d'exemplaires quand même en vente, hein, donc commence à être un petit peu rare. Moi, je pense que je suis tombé sur le dernier exemplaire proposé par un vendeur français. Alors, je vous donne le nom de la boutique Discogs, c'est Octopus Records. C'est un vendeur qui est sur Nantes, hein. Alors, attendez, il me semble que j'avais. Bon, qui m'a mis un gentil petit mot, enfin sur Nantes ou sur la région nantaise, et bah, j'y retournerai voir sans doute sa boutique, parce qu'il y a de belles choses. Et bon, pour l'instant, je n'ai pas encore bien exploré, elle n'est pas très fournie, hein, mais il a apparemment de belles choses. En tout cas, j'ai pris le dernier exemplaire vendu par un vendeur français,
Hein, sachant qu'après, ben, quand vous achetez ailleurs, à l'étranger, les frais de port vont gréver le prix. Le prix de l'album des rééditions n'est pas très élevé, mais si vous rajoutez les frais de port, là j'en ai eu pour 27 ou 28 euros en tout, hein, alors qu'ailleurs, ça dépasse facilement les 30, 35 euros. Hein. Voilà. Mais en tout cas, si vous pouvez l'écouter, je sais qu'il existe en CD, hein, c'est une tuerie. C'est vraiment un magnifique, magnifique, magnifique album. Allez. Ensuite, un petit peu de jazz, un petit peu de jazz, alors, avec un artiste qui divise un petit peu les amateurs. Hein. L'artiste, c'est Kamasi Washington. L'album s'appelle Harmony of Difference. Alors, je vous montre très rapidement. Hop. Bon, il n'y a pas grand-chose à voir. Hein. Là, c'est blanc, puis de l'autre côté, c'est noir. Hein. C'est un label qui s'appelle, alors je sais plus le label. Bon, ça n'a pas une grosse importance, hein, voilà, ça n'a pas vraiment une grosse importance. Hein. Bon, bref, c'est un album de 2017, pressage anglais, et c'est du spiritual jazz. Alors moi, je découvre un cet artiste, j'en ai souvent vu passer des albums sur un groupe Facebook qui s'appelle vinyljazz.fr, hein, où ce sont des grands amateurs de jazz, même des grands, grands connaisseurs plutôt pointus. Bon, voilà, j'avais jamais pris le temps de l'écouter, puis je l'ai trouvé chez mon disquaire à Aix. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas, hein. Et puis, ben, c'est vraiment pas mal. Moi, j'aime beaucoup. J'ai été assez séduit, hein. Kamasi Washington est un saxophoniste ténor, hein. Et moi, je trouve ça très bien. Alors, je sais que certains, bah, trouvent que c'est pas terrible, que c'est peut-être un petit peu surfait, mais non, moi, non, franchement, moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Kamasi Washington, Harmony of Difference. Allez, pour continuer, alors je prends mes notes parce que sinon, je sais plus où je l'ai mis. La suite. Voilà. Alors, cet album, j'ai trouvé les deux derniers que je vais vous présenter chez le disquaire du Cours Mirabeau. Hein. Vous savez que 3 fois par semaine, le mardi, jeudi et samedi, et un dimanche par mois, et un mercredi par mois, il y a une brocante, hein, à la fois sur le Cours Mirabeau et puis la place du Palais de Justice. Hein. Donc, je vous montre déjà l'album, hein, Zanov, Green Ray. Et je vais en parler. Donc, il y a cette brocante. Hein, et puis, il y a au moins 2 disquaires, dont un qui est très intéressant. C'est chez lui que je vais acheter mes vinyles quand j'y vais. J'ai fait un article, hein, sur mon blog et il est référencé sur le blog. Donc, si vous allez sur mon blog chercher des vinyles, trouver des vinyles à Aix-en-Provence, j'en parle. Hein. Voilà. Donc, c'est quand je. Mardi, oui, mardi, je suis allé acheter 2 albums, hein, et je suis revenu avec. J'ai fouillé dans les aides, hein, vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Hein. Cet album de Zanov. Alors, Zanov, album de 1977, hein, comme vous pouvez voir derrière, hein, vous vous doutez un peu du style. C'est l'original, hein, c'est paru sur Polydor. Hein. Et on peut dire que Zanov, c'est le Klaus Schulze français, Tangerine Dream. Hein. D'ailleurs, il est un petit peu classé comme ça sur Discog. Hein, il parle de Berlin School et expérimental. C'est son premier album. Il en a fait 6. Hein, je sais que ce que j'ai vu, c'est que le dernier qui est paru uniquement en CD serait sorti en 2020. Bon, j'ai pas plus exploré que ça. J'ai un autre album de Zanov que j'avais trouvé il y a quelques années en vide-grenier. L'album s'appelle Mobius. 256-301. Bon, quand j'ai fouillé le bac de vide-grenier, forcément, un titre comme ça m'a attiré. Je l'ai payé 1 euro, je crois. Et puis, j'avais fait un petit billet sur mon blog. Et puis, j'ai eu la surprise, quelques jours après, de voir un commentaire de Zanov en personne, hein, qui disait qu'il était toujours actif. Je crois que ça date de 2016. Donc, vous voyez, ça remonte quand même déjà à quelques temps. Hein. Et là, on est dans quelque chose de très avant-gardiste. Bon, ça ressemble, effectivement, c'est vraiment dans la veine d'un Klaus Schulze ou d'un groupe comme Tangerine Dream, hein. C'est peut-être un petit peu plus, comment dire, un petit peu moins lisse, un petit peu plus heurté, un petit peu plus expérimental. Malheureusement, il n'a pas connu le succès qu'a pu connaître un certain Jean-Michel Jarre, hein, parce que, bah, il n'a pas fait de tube, hein, comme l'autre. Hein.
Mais moi, personnellement, je suis désolé pour les amateurs et les fans de Jean-Michel Jarre, je trouve que je trouve ça beaucoup plus intéressant. C'est beaucoup plus, effectivement, beaucoup plus rugueux par moments, c'est beaucoup plus expérimental, c'est plus intéressant. Voilà, enfin, ça m'emballe beaucoup, beaucoup plus, hein. Voilà, Zanov, Green Ray. Et le dernier, donc, toujours chez le disquaire sur le cours Mirabeau. Zao. Et l'album, alors l'album s'appelle Z7 égale 7L. Vous remarquez le graphisme, super. Avec un beau gatefold. Alors, c'est une réédition, hein. C'est une réédition de. Alors, attendez, hein, parce que je prends les notes, parce que sinon. Hein, c'est une réédition de 2014. Hein. L'original était paru sur Vertigo en 1974. Hein. C'est le second album du groupe. Le premier album a la même pochette, sauf que les couleurs sont différentes, c'est bleu. Et alors, les musiciens, je vais vous citer peut-être hein, au moins un, qui est François Fatonkahn, qui a joué avec Magma, hein, qui est un pianiste de jazz très réputé. J'ai deux albums même trois peut-être, hein, de Fatonkahn. Hein, il a joué aussi avec. Il me semble qu'il a fait un album avec David Allen de Gong. Il faudrait que je vérifie, mais je vous le confirmerai un petit déroulant hein, dans la vidéo. Hein. Et c'est superbe, c'est superbe. On va dire que c'est du jazz rock un petit peu à la Magma. Il y a une ambiance très Zeul, hein, très Magma. On ne peut pas se cacher, moi j'entends vraiment les influences de Magma, mais ça s'en démarque un petit peu, hein, parce que bah, y a une chanteuse hein, et qui chante pas en cobayen, donc au niveau de la sonorité de la voix, c'est peut-être un petit peu plus doux d'une certaine manière, mais c'est vraiment un très très bel album de jazz rock et de Zeul, hein, vraiment magnifique, magnifique, et je vous recommande vraiment. Si vous pouvez écouter ce groupe, hein. Replica Records, hein, c'est un label français hein, qui réédite un petit peu des raretés hein, comme ça, parce qu'ils sont difficiles à trouver en pressage originaux. Hein. Et on les trouve sur Musea aussi en CD notamment. Hein. Voilà, donc ça sont mes dernières trouvailles de ce début de mois de mars. Hein. J'attends un disque, j'en ai commandé un hier. Bon, pour l'instant, le vendeur a toujours pas répondu sur Discog. Hein. Et c'est encore un disque qui m'a été recommandé par quelqu'un dans un des commentaires de ma dernière vidéo. Mais je vous en dirai plus hein, pour garder un petit peu le suspense. Bon, voilà. Maintenant, je vais essayer de vous mettre quelques extraits, pas de la totalité pour pas rallonger trop la vidéo. Et puis, bah, écoutez, bonnes écoutes. Merci à tous ceux qui m'écoutent, qui me suivent, qui se sont abonnés. Il y a eu quelques abonnements de nouveau ces derniers jours. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre les notifications. Hein. Il faut que je dise un petit peu comme tous les copains quand même. Hein. Et puis surtout, bah, portez-vous bien, prenez soin de vous. Faites le plein d'essence. Non, c'est trop tard pour faire le plein d'essence. Les prix ont explosé. J'espère qu'il n'y aura que les prix qui vont exploser, en tout cas, parce que la situation n'est pas franchement fabuleuse. Hein. Hein, voilà. Donc, je vous dis à très bientôt. Hein. Bye bye. Je vous embrasse tous.